Bonjour tout le monde, donc je voulais vous montrer comment jouer avec une boîte à rythme au lieu d'un métronome. Parce qu'un métronome, on a toujours le même son et parfois on s'y perd un peu, on ne sait plus si on est sur le deuxième temps, sur le troisième temps, tout ça. Donc sur une boîte à rythme, donc je vais vous faire un petit... je la lance ici, je vais vous l'envoyer aussi en lien parce que je trouve que celle-ci est pas mal pratique. Donc déjà, ce qui vous écoutez, vous entendez déjà, boum. Tchac, boum, tchac, 1, 2, 3, 4, boum, tchac. Donc déjà, le premier et le troisième temps sont marqués par un boum, et le deuxième et le quatrième temps par un tchac. Donc déjà, ça nous donne un peu plus de repères dans la mesure. Et si vous écoutez encore plus mieux, voilà, je fais exprès parfois. Il y a aussi... ça marque les croches en fait, okay. Donc même et surtout dans ce morceau, ce qu'on va faire, je vais arrêter un tout petit peu, dans le morceau qu'on va faire, c'est très important aussi d'avoir les repères au niveau des croches, parce qu'on joue des croches. Voilà, c'est parti, je vais faire tout d'affilée, donc je commence avec l'exercice A, ensuite B, C, D, E, tout enchaîné, j'essaie de ne pas trop me tromper au niveau de la rythmique. 1, 2, 3. Alors, le but de ce truc, de tout ça, c'est pas de jouer comme une machine, okay, mais c'est pour savoir si on est quand même bien au tempo. Après, on a toujours de l'espace pour interpréter et d'être un chouïa en avance, un chouïa en arrière. Voilà, il y a plus de marge qu'on ne pense. Donc, essayez pour l'instant de coller plus à la boîte à rythme. Et c'est un travail très utile parce que finalement, après, on va pas jouer comme des machines, on jouera jamais comme des machines, vous inquiétez pas, on fera toujours des erreurs, mais on a aussi notre façon un peu de jouer et on sent pas tous nous-mêmes le temps de la même façon, le tempo. On a tous nos interprétations à nous, c'est ça qui est intéressant. Voilà, on en parlera peut-être un jour. Voilà, je crois que j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Bon courage à tous et à toutes. Et si vous voulez me voir à part, en présentiel, un vendredi ou un samedi ou dans la journée, on pourrait essayer de se voir. Ok, ciao.